Les sept histoires du petit ours brun. C'est un gros morceau, ça. Les sept histoires du petit ours brun. Petit ours brun fait une grosse bêtise. Petit ours brun est tout seul. Petit ours brun s'ennuie. Petit ours brun trouve un gros crayon. Petit ours brun va faire un dessin. Petit ours brun ne sait pas où écrire. Il essaie sur le mur. C'est bien sur le mur, petit ours brun peut dessiner debout. En marchant, petit ours brun fait un trait bien droit. Sur la porte, ça fait des petites bosses. Petit ours brun s'amuse bien. Alors là, maman, ours se fâche vraiment. Alors ça, petit ours brun, c'est la fessée. Petit ours brun aime sa casquette. Petit ours brun a une casquette. Il la met dès qu'il est réveillé. Petit ours brun aime sa casquette. Il la remet dès qu'il est habillé. Petit ours brun retourne sa casquette. Ah, il a moins chaud comme ça. Petit ours brun relève sa casquette. Et il fait le clown comme ça. Petit ours brun retire sa casquette. Pratique pour transporter ses trésors. Petit ours brun resserre sa casquette. Après, il peut faire plein de sports. Petit ours brun a enlevé sa casquette. C'est simplement parce qu'il dort. Petit ours brun est fier de lui. Petit ours brun dessine des ronds bien ronds. Il dit, c'est beau, non? Petit ours brun fait tenir ses jouets en tas. Il dit, hé, papa, tu as vu ça? Petit ours brun remplit son verre tout seul. Il dit, est-ce qu'il y en a qui en veulent? Petit ours brun coupe une tranche de gâteau. Il dit, vous voyez, je n'en coupe pas trop. Petit ours brun fait un beau boudin. Il dit, et en plus, je le fais d'une seule main. Petit ours brun fait pipi comme un grand. Il dit, hé, je fais comme ça, tu vois maman? Petit ours brun est tout fier d'avoir grandi. Il dit, j'aime bien ce jeu de quand j'étais petit. Petit ours brun range son coffre à jouets. Aujourd'hui, petit ours brun a décidé de ranger son coffre à jouets. Il sort de son coffre son camion, ses voitures, son jeu de quilles, son ballon et son râteau. Il est là, un râteau. Il sort aussi son train, qui est caché derrière, ses cubes, son tambour et sa toupie. Petit ours brun retrouve son téléphone. Il dit « Rin Rin, allô, qui c'est ?» Petit ours brun découvre son livre. Il dit « Ça, c'est mon livre pour ce soir. » Papa ours entre dans la chambre. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre ?» Petit ours lui répond « Ce n'est pas du désordre. Tu vois bien, je range. » Petit ours brun est grognon. Petit ours brun n'arrive pas à faire son pulse. Il souffle « J'en ai marre, j'en ai marre. » Petit ours brun demande à boire. Il s'énerve. Non, pas dans ce verre-là. Papa ours voit papa mettre le couvert. Il gémit. Ouais, c'est moi qui devais le faire. Petit ours brun se cogne dans la porte. Il crie. Aïe, pète pète ou quoi la porte? Cette fois, c'est papa ours qui se fâche. Dis donc, petit ours brun, tu vas te calmer? Petit ours brun pleure pour de bon. Je me fais mal et toi, tu me grondes. Papa ours dit, je connais un petit ours qui a un énorme besoin de se reposer. Petit ours brun mange un œuf. Dans le coquetier de petit ours brun, il y a un œuf tout chaud. Dans la cuillère de petit ours brun, il y a un petit chapeau tout blanc. Dans l'œuf de petit ours brun, il y a du jaune, bien jaune. Dans l'œuf de petit ours brun, il y a encore du jaune, tout mou. Dans l'œuf de petit ours brun, il n'y a plus que des blancs, c'est tout. Dans l'œuf de petit ours brun, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Dans le coquetier de petit ours brun, il y a un nouvel œuf? Vraiment? Petit ours brun et la balançoire. Petit ours rousse n'est pas contente. Pousse-toi, c'est ma balançoire. Petit ours brun ne veut pas céder. Mais c'est moi qui étais là le premier. Petit ours brun ne veut pas descendre. Arrête, tu vas me faire tomber. Petit ours rousse ne veut pas céder. C'est ma balançoire.
Petit ours brun ne sait pas non plus. Tu peux bien me la prêter. Petit ours brun a une idée. Il dit, mets-toi là, tu vas voir. Une balançoire pour deux, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'était les 7 histoires de Petit ours brun.